Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un petit message. On me dit que ce sera court. On me dit que ça s'adresse à des hommes dans la quarantaine. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables. Vous commencez à connaître le topo sur la chaîne. Je laisserai dans la description de la vidéo le lien de réservation pour les personnes qui souhaitent réserver une guidance privée. Et puis, on commence. Alors ici, j'ai cette notion de routier. Je ne sais pas, j'ai un lien avec la route, les voitures, tout ce qui est camion ici. J'ai une notion de chaîne aussi, pourquoi? On me parle d'une personne malsaine dans un entourage amical. Et on me parle d'une femme, on me dit que cette personne est dans un jeune âge. On me montre comme si vous aviez rencontré cette personne-là sur l'été. Alors je sais pas, j'ai l'impression que cette personne a un lien avec l'Italie. Parce qu'on me montre, vous savez, un peu comme les couronnes là. Vous savez, les Romains, ce qu'ils avaient sur la tête là. On me montre ça. J'ai ici des hommes qui ont peut-être reçu la Légion d'honneur, je ne sais pas, on me montre comme une médaille. Ou peut-être un service militaire, je ne sais pas. Plutôt jeune, j'ai vraiment cette notion de 19-20 ans. On me parle d'un sommeil perturbé la nuit. On me parle d'incompréhension. On me dit que cette personne-là, la femme là dont je vous parlais, a essayé de vous voler. On me parle de fleurs fragiles. On me fait comprendre comme si cette personne avait pleuré pour vous. On me dit, s'est mis dans tous ses états. J'ai le sentiment qu'il y a des zones d'ombre là chez cette personne. Et vous avez mon frigo là qui vient de sonner. Alors on insiste sur le chiffre 23. Pourquoi? Je vois cette personne très mécontente parce que c'est comme si vous aviez repoussé cette personne. Cette jeune personne-là. Moi, je ressens que cette personne attendait plus hein, de vous parce que, elle espérait vraiment former un couple avec vous. On me dit profitez aussi de votre argent. Ici, j'ai des personnes seules, enfin, peut-être des hommes là, qui élèvent des enfants seuls. On me parle d'un jeune garçon. Alors j'entends le mot on s'en sort pas. Alors est-ce que c'est au niveau des finances ou au niveau de la famille? J'ai cette notion aussi de solitude. J'ai aussi beaucoup de questionnements la nuit. On parle aussi d'une phase de recadrage là pour les hommes en question. C'est comme si on me dit que le fait que vous ne dormiez pas déjà, c'est en partie à cause de ce recadrage là du divin, recadrage au niveau de vos énergies, mais aussi par rapport à vos inquiétudes là, vos incompréhensions aussi, on me dit. On insiste vraiment sur le fait que la personne là d'entourage amical n'est pas bonne.
Là, j'ai le sentiment qu'il y a eu comme un complot hein, autour de l'argent. Vous voyez, des personnes qui ont... on me donne cette expression micmac. Vous voyez, j'ai cette notion d'histoire, si vous voulez, un peu farfelue. À propos... C'est comme si on vous avait raconté un bobard, si vous voulez, un truc vraiment monté de toutes pièces pour vous soutirer de l'argent. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette notion de violence par rapport à ce soutirement-là d'argent-là. Peut-être qu'il y a eu une effraction ou je ne sais pas. Il y a un truc bizarre. J'ai vraiment cette notion de fracas. Et là, c'est comme si sur le plan de la santé, là, ça n'allait pas bien en ce moment-là. Là, ici, je ressens des personnes abattues. On parle de désespoir aussi. Bon, j'ai le sentiment qu'il y a des, comment dire, il y a un ménage à faire autour de vous, là. Et puis, on vous dit aussi de solliciter vos guides, solliciter l'archange Michael pour vous aider là dans ces problèmes là de, on dit de justice par rapport à ce vol d'argent. On me dit que sans demande de votre part, ils ne peuvent pas intervenir. Il y a cette notion de libre arbitre. Et on parle aussi d'attente cristallisée, mais c'est comme si vous deviez. Alors je sais que c'est compliqué parce que de ce que je vois là, c'est pas folichon, mais c'est comme si vous deviez lâcher prise là par rapport à cette, on me dit, cette relation et tout ce qui s'est passé là. Alors je ne sais pas si les hommes en question ont des projets de construction de maison à l'étranger ou dans un endroit un peu plus retiré du style campagne, mais c'est ce qu'on vous encourage à faire. C'est des choses sur lesquelles on vous dit de vous tourner pour lâcher prise hein, par rapport à cette situation. Et j'ai le sentiment aussi que par rapport à votre famille, là, il y a des membres que vous devez, auxquels vous devez faire attention ici. Hein. En tout cas, je ressens qu'on met tout en œuvre là pour, comment dire, essayer de vous faire trouver une stabilité. Mais c'est comme si vous aviez besoin là de... Alors, on insiste sur le chiffre 39, pourquoi? Ça parlera sûrement aux personnes concernées. Mais c'est comme si vous deviez faire votre demande aussi à l'univers pour qu'on puisse vous aider. Je ressens aussi de la magie noire ici, là. Alors, je ne sais pas si c'est fait par la personne, mais on me montre comme si, vous savez, c'est fait... Alors, je ne sais pas, mais on me donne le Maroc. Alors, je ne sais pas si c'est fait là-bas. Par un homme. Mais il y a un travail ici à démonter. Ici, on insiste vraiment sur une personne de votre famille, sur une femme. On me dit une jeune femme, mère de famille.
On me dit aussi que ça va pas fort au travail. On me dit que c'est compliqué. Peut-être qu'il y a beaucoup de papiers administratifs à faire ici, là. Ou alors qu'il y a un côté obscur, là, par rapport à ces papiers administratifs. C'est comme si on n'avait pas tous les tenants et aboutissants, là, par rapport à ça. Parce qu'on me montre comme s'il y avait un long circuit, vous voyez? C'est assez surprenant comme détail, mais on montre des hommes, vous voyez, qui auraient un peu les bras, j'allais dire velus. Vous voyez, les poils sur les bras, on me montre sur les avant-bras au niveau des poignets. Non, c'est pas un jugement. C'est juste un détail qu'on m'a donné. Ici, je ressens qu'il y a vraiment des personnes qui peuvent être en procès, en procédure là, pour récupérer des choses là qu'on leur a volées. Et moi, je sens qu'il va y avoir ici un juste retour des choses, mais on vous demande vraiment de mettre en place des choses là sur le plan spirituel, que ce soit avec l'archange Michael, mais aussi pour dénouer là ce travail de magie noire, là. Et j'ai le sentiment qu'après ça, vous allez retrouver le cours de votre vie. Et on vous dit en attendant de lâcher prise et de souffler. J'ai vraiment cette notion de ras-le-bol ici. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si ça résonnait avec vous. Partagez les tirages et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.